Hello les amis, on vient de partir de chez Thomas pour rejoindre Cédric, un autre assureur qui nous héberge cette nuit. On a investi en fait son bâtiment, on est allé voir là-haut, sur le toit, pour voir si on peut opposer les hamacs. Before spiritual reset, spiritual reset. Au lieu de sharpness leads to its focus the hardest. Regardless, I pick up more off like a guitarist. I'm growing in my urban harvest. I spark this, my lethal weapons be the verbal shooting the farthest. My multiple characteristics relive this deja vu, so I can kill it and my vision's explicit. Don't know by now, I be the sniper, Southwest rider, sneaking in and creeping up inside ya. I'm bringing a force, I cut close to the chase, of course, and I show no remorse. Voilà les amis, ça va se préparer à faire une petite sieste sur les toits de Grenoble. On n'est pas trop à l'abri du vent, mais bon, en tout cas il fait super beau, on a une magnifique vue. Franchement, c'est le bonheur quoi. Salut les amis, petite sieste de fête, on va se repréparer à filmer les scènes pour le tournage de cet après-midi. C'est parti. Bon, le Simon ne se réveillant pas, j'ai dû me replacer à cet endroit-là. Cet animal bizarre du nom de Zephyros prépare sa parade nuptiale sur les sommets de Grenoble. Cela nécessite beaucoup de préparation, puisque sa parade demande beaucoup d'équilibre qu'il ne peut maîtriser au premier essai. Son corps s'écroule après deux essais infructueux. Mais le Zephyros ne baisse pas les bras, et poussé par les encouragements de ses acolytes, il remonte sur son balancier pour trouver son accalmie. Quelques minutes plus tard, nous le découvrons en pleine séance d'étirement. Nous pensons qu'il s'agit des préparatifs de sa parade. Le Zephyros semble simuler la position qu'il prendra plus tard durant le coït. Mu par ses pensées, le Zephyros s'émoustille et nous montre son impétuosité dans un élan de fougue. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est toi, là, du coup, là. On prend des photos. Et vous avez pris l'échelle qui était là ? On a pris l'échelle qui est là, ouais, qui est ici. Hop là. Juste deux. Trois, pardon. Non, mais c'est respectable, on prend les affaires. Désolé en tout cas. Merci. Comment ? Vietnamien. Vietnamien, long. Ouais, c'est un grand celui-là. Pur au mélangé. Mélangé, ouais, mélangé. Ah, voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est... Pur au mélangé. Pur au mélangé. Non, mais pourquoi du bizarre ? Qu'est-ce que tu fais, sinon ? Il est là, le grand gaillard. Si vous le cherchez, il est là. Monsieur Delerou s'apprête à effectuer son saut vertigineux que vous allez pouvoir découvrir à la rentrée. De là. Ah là, et ouais. Mais qu'est-ce que tu fais, Johan ? Il a fait tomber ses lunettes de soleil dans la petite gouttière qui est juste là, on va l'accompagner. Victoire. Ciao les amis. Allez, remonte, gros nigo. Voilà. Voilà les amis, on s'est posé à trois en hamac sous le toit où Johan vient de sauter. Et je crois qu'on est plutôt bien installé, ouais. Je pense qu'on va aussi passer la nuit ici. Qu'est-ce que t'en penses, Simon ? Ah bah j'ai pas sorti le hamac pour rien. On va le laisser, on va dormir ici cette nuit. Ouais, ça va faire du bien. C'est... Aujourd'hui les amis, j'ai de la chance. Vous savez pourquoi ? Parce que je crois que cette nuit, je vais passer la nuit avec Lorenzo. Faut juste qu'on récupère les sacs de couchage. Voilà, on est posé sur les hamacs dans des combles comme je vous ai évoqué tout à l'heure, sauf que là maintenant le temps a changé parce qu'il fait sombre, il fait nuit. C'est un peu la galère pour monter jusqu'ici parce qu'il fallait replier l'échelle et l'amener sur le toit pour être le plus discret. Bref, je vais couper là. Oh, le mec il me filme. Oh, le bâtard. Il est là. Il faut savoir que Yohan a vlogué toute la journée ou brandir sa caméra comme ça, comme un petit enfant. Si le mec brandit sa caméra comme un petit enfant. Tu répètes ce que je dis, Yohan. Qu'est-ce que tu fais ? Gros
Hello les amis, je viens de me réveiller en compagnie des deux loupiots derrière, dans des combles sous les toits, sur lequel Johan, monsieur Delouro, a sauté hier d'ailleurs. Petit réveil au calme, à l'abri de la lumière du jour et du vent surtout, parce qu'à Grenoble, le vent est très froid. Comme j'ai pu le remarquer hier matin, où le vent a caressé mon échine avec son souffle réfrigéré. Hello. It's me. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Direction le jam pour vous retrouver. L'échelle qu'on a sortie hier, elle est là. Va falloir la replacer. T'es un malade mec. Fais genre qu'il est blessé pour avoir des petites attentions hein. Mais grave, c'est où mes petites attentions? Allez me chercher une bouteille de coco. Lorenzo débarque, fout de la merde, on saccage la baraque, on va fumer votre air, briquet devant mon cul. Je te vois. Il te manque quand même un peu. Ah, il manque quoi ça? Cette nuit, on dort chez Sébastien et là, on est monté sur son toit et lui, il n'avait jamais monté sur son toit. Rebaptise encore une fois un toit de chez quelqu'un chez qui on dort. D'accord.